إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre lecture du Coran al-Karim, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes au verset 256 de Surat al-Baqarah avec l'explication et l'exégèse des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi s-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. La ikraha fi d-din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc dans les versets 256 et 257 de sourate al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: nulle contrainte en religion, car la bonne direction s'est distinguée de l'égarement. Par conséquent, quiconque ne croit pas au Tawhid, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, celle qui ne peut se rompre, et Allah entend et sait tout. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il n'y a point de contrainte en religion, car il n'y a aucune raison qui justifie cette contrainte. En effet, la contrainte ne peut se faire qu'avec une chose dont la réalité et les signes sont cachés, dont les effets sont flous, ou avec une chose qui est abhorrée par les âmes. Or, cette religion juste et cette voie sont évidentes aux yeux des gens et leurs signes sont clairs et apparents. Ils ne souffrent d'aucune ambiguïté. Le sage et sensé qui les observe, qui les étudie, ne peut que se rendre à l'évidence que c'est la vérité qui vient de la part d'Allah et opter tout de suite pour la suivre et y adhérer. Quant à celui dont la volonté est mauvaise et l'âme est perfide, il voit la vérité évidente, mais il choisit ce qui est faux et vain. Il voit ce qui est beau et excellent, mais il préfère choisir ce qui est laid et horrible. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de le contraindre à choisir la religion juste, puisque aucun résultat ni intérêt ne sont possibles avec lui. En outre, la foi du contraint n'est pas sincère et n'est pas réelle, donc elle n'a pas de valeur. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il y a comme sens dans ce verset et tous les versets qui rendent obligatoire le combat dans le sentier d'Allah. Car Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de combattre pour que la religion d'Allah soit la plus haute et pour repousser
la transgression des transgresseurs et il y a unanimité des musulmans concernant ce combat sur le sentier d'Allah qui reste valide et qui reste un devoir en dessous de tout gouverneur bon ou pervers qu'il soit et qu'il est une obligation qui dure jusqu'à la fin des temps, que ce soit le combat avec la parole ou que ce soit le combat avec les actes. Celui parmi les exégètes qui a cru que ce verset contredisait les versets qui ordonnent de combattre et qui a cru qu'il était venu abroger ceci, s'est clairement trompé, car il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et il y a des versets bien clairs, bien spécifiques concernant le combat dans le sentier d'Allah. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a cité que les gens se sont divisés en deux groupes. Un groupe qui a cru en Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et qui a mécru au tarout. Le tarout, c'est tous ceux qui contredisent la foi en Allah, que ce soit du shirk, du polythéisme ou autre. Alors celui-là, il s'est accroché à l'anse la plus solide. Ce groupe-là s'est accroché à l'anse la plus solide, celle qui ne peut se rompre. Et ce groupe est constant sur la religion de vérité, jusqu'à ce que ce chemin le mène à Allah tabaraka wa ta'ala et le mène à la demeure de la félicité. Alors que le deuxième groupe, on le comprend dans le sens inversé du verset. C'est ceux qui ne croient pas en Allah, mais ils ont mécru en lui. Et ils ont cru dans le tarout. Alors ce groupe-là est le groupe qui est voué à sa perte. Une perte éternelle. Un châtiment qui dure et qui est éternel. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fini en disant « Allah est l'entendant ». C'est-à-dire il entend toutes les voix malgré leurs différences de langage et malgré les besoins de toutes ces personnes qui élèvent la voix. Il entend subhanahu wa ta'ala l'appel des appeleurs et ceux qui l'implorent humblement. Et Allah est connaisseur et savant de ceux que cachent leur poitrine, de ceux que les gens cachent au plus profond d'eux-mêmes ou de toute chose qui n'est pas apparente. Alors, il récompense chaque personne selon ce qu'il a agi et selon ses intentions et ses actes. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 257 qu'on a lu déjà en arabe, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, jusqu'à la fin du verset. Allah est le guide et le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui mécroient, ils ont pour guide les tarouts qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu où ils y demeureront éternellement. Ce verset 257 est lié au verset 256 précédent. En réalité, il est le résultat et le fruit du verset précédent, c'est-à-dire ceux qui croient en Allah et qui mécroient en tarout, c'est ceux qui ont gagné. Et ils sont eux sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que ceux qui croient dans le tarout et qui mécroient en Allah sont les perdants dont le tarout les font sortir de la lumière vers l'obscurité. Alors le verset précédent est la base et ce verset est le fruit et la résultante. Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que ceux qui ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala de manière véridique et qui ont accompli les obligations de la foi et qui ont délaissé tout ce qui contredit cette foi, alors Allah les protège. Allah tabaraka wa ta'ala les protège de sa protection spécifique. Il se charge de les éduquer. Il les fait sortir de l'obscurité de l'ignorance, de l'obscurité de la mécréance, de l'obscurité des péchés, de l'obscurité de l'insouciance, de l'obscurité du détournement vers la lumière de la science, vers la lumière de la certitude, vers la lumière de la foi, vers la lumière de l'obéissance, vers la lumière de se diriger avec son être en entier vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il illumine leur poitrine et leur cœur avec ce qu'il leur met comme lumière de la révélation et de la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur facilite le chemin de la bénédiction et de la félicité et il les éloigne du mauvais chemin qui mènent vers la perdition et les difficultés. Alors que les mécréants, quand ils ont pris pour alliés autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et les gens qu'Allah aime, quand ils ont pris comme alliés
autre que celui qui est le seul capable de vraiment les protéger et leur donner, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah les a délaissés comme ils se sont détournés. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a abandonnés à leur sort. Et il les a délaissés et abandonnés vers ceux qu'ils ont pris comme alliés, de ceux qui peuvent ni nuire ni être utiles. Alors ils les ont égarés, ils les ont menés à leur perte, ils les ont privés de la guidée de la science utile et des bonnes actions. Ils les ont privés du bonheur réel. Et voilà pourquoi le feu ardent, éternel, est leur demeure. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous prendre sous sa protection et de faire de nous ses alliés, protéger ceux qu'il sort de l'obscurité vers la lumière et qu'il fera parmi les gens du Firdaus al-A'la. والله تعالى أعلى وأعلم وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم